Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 31e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mount & Blade Warband saison 2. Alors, bon, je vous avais laissé la dernière fois, on avait battu un émir à 30, enfin à 50 contre 30. Et là, on allait piller Awaha. Je se casse! Putain! Ah merde, mais non, mais 150, c'est pas possible. Tout soldat. On se casse. Putain. Ce qu'il fallait pas, quoi. 91, mais 91, je peux pas gérer 91, c'est pas possible. Voulez pas partir en campagne, vous, un jour, je sais pas. Et en route vers où? De la vache, je sais même pas où aller en fait. Ah si, peut-être qu'ils vont vers le château là. Est-ce que je pourrais enfin piller le village? Nous jouons actuellement Charize. Oh, bah, ça c'est cool. Alors pour aller à Awaha. Et piller ce village. On se casse? Mais c'est... Ah non! Merde, j'ai fait se rendre. Merde, mais c'était quoi ça? J'ai tout perdu! C'est quoi cette horreur? Ah non! Bon, bah voilà. Retour à la case départ. Plus j'ai perdu 4000. Bon, tu vas me dire. Il reste encore 18 000. Hein? D'accord. Donc il y a des gens qui ont cambriolé je sais pas quel château. Parce qu'ils sont plus du royaume des Nords que du royaume des Rodoks. Ok. Ah bah ça m'emmerde là. Faut tout que je refasse. En plus, il n'y a personne qui veut venir. Il faut que je construise 4 bâtiments. Ah, mais j'ai perdu tous mes mecs. Oh, mais merde! Oh, la loose! Mais la loose ultime, quoi. Pff. Taverne. Est-ce qu'il n'y aurait pas un héros ou deux là? Un scald de nomade. Un épéiste mercenaire. Non. Oh la vache! C'est pas cool. Avec ce qui traîne dans le coin en plus, c'est la galère. Non. Taverne. Troubadour, fermier. Je peux pas gérer les fermiers, j'ai même pas assez d'unités. Cinq hommes.
groupe n'a rien à manger. Vous avez 38 bandits, non. Alors, attendez. La loose, mais totale, quoi. Voilà, du pain, du pain, du pain, du pain, du pain. Et du côté d'Ibdeles. Là, on est à 23. Non, piller. Donc, on va remonter du côté de Fenner. Piller aussi. On va recruter du côté des pêches. Des soldats sont prêts à être promus. Bon, au moins là, c'est cool. Du coup, j'ai pas mal de retours de mes deux fiefs. Merde! 23 contre 26, ça passe. En plus, c'est pas comme si j'avais une super armée, mais presque. Oh! Ils auraient pas pu me faire une meilleure map. Bon. Ah, la galère! J'ai plus de héros, donc ça veut dire plus de mecs très forts en ingé, plus de mecs très forts en soins. Mais c'est la loose ultime, quoi. J'arrête pas de me faire tirailler. Voilà. Donc on fait la technique du on tourne autour. Voilà, ça passe bien. Ça passe très bien. Une fois qu'ils seront plus beaucoup, on pourra dire à nos hommes de charger. Aïe. Voilà. .163 pour les armes à deux mains, quoi. Sachant que c'est con parce que je la manipule à une main, quoi. Alors, on va pouvoir leur dire de charger. Non, c'est pas tout le monde suivez-moi, c'est tout le monde chargé. Non, tout le monde chargé, voilà. J'arrive pas à appuyer sur les touches. Oh la vache. Ah là là. J'arrive pas à en tuer un seul là depuis un petit bout de temps, ils sont tous en train de se protéger. Voilà. Arrêtez de vous protéger, merde! Voilà. Reviens là. Voilà. Il en reste un.
Voilà, on va augmenter 8. Tac. Comme ça, on pourra revendre. J'ai plus la place. Ok, ils sont 49. 49, ça fait quand même beaucoup, hein. Je pense que j'arrivais pas à gérer. Ils ont à quelle vitesse? 4,3, j'ai 5,4. Quatre-vingt-six contre 8. Bon, voilà, je pense qu'on peut y aller. Oh, l'épisode de la loose! J'ai plus une seule unité, il faut tout que je remonte. C'est quoi cette map? Oui, je suis le cheval de Skyrim! Tellement n'importe quoi. Mais... Que j'aime pas du tout le côté gauche. Voilà. Voilà. J'ai un blessé dans mon équipe, c'est pas très grave. Quatre deniers, c'est pas beaucoup, j'en fiche. Toc, il vient. Taverne, y a-t-il quelqu'un? Garde de caravane, un rançonneur. Bon, le rançonneur, c'est pas mal. Mais c'est pas toi que je cherche. Place du marché, on va vendre tout ce foutoir. Eh, ça fait quand même max thune, hein. On va aller voir ailleurs. On va aller du côté d'Istinar. Voilà. On commence à refaire une équipe. C'est pas encore ça, mais ça recommence. Alors, c'est quoi? C'est des déserteurs. 134, ça fait quand même beaucoup. On va se tirer de là. Bon, c'est des recrues swadiennes. Pas très grave, la Swadie n'existe plus. Ah! On ne piège pas ces landrons. Voilà. 200 deniers. Ça me fait penser, homme du clan Rodoc. Toc toc. Budgétaire hebdomadaire, je suis à 615. Ce qui est cool. C'était le moral. Excusez-moi. Voilà, donc au niveau du moral, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. On va monter là-haut. Non, c'était pas la pause que je voulais mettre.
Que quoi? Ok, d'accord. Alors, qui a-t-il ici? Un rançonneur, ça me sert à rien. Ah, y a pas de héros, quoi. Passer du côté de Suno. Cité à taverne. Artenheimer, je crois que c'est un. C'est un ingé. Le siège est sa spécialité. Ça, c'est cool. Non. Je crois qu'il y avait. Non, pas ça. Ah! Voilà. Eh, il y avait quelqu'un là. Ah, c'était un scald. C'est juste un scald. Pas rien là. Des recrues soidiennes. On va plutôt passer à Yadekar. Voilà, on est à 56, c'est déjà mieux. Bon, par contre, on n'a pas du tout des super troupes. 61. Mais j'ai envie de dire, c'est mieux que rien. En sonneur, Rolf. Yaya. Ok, Rolf. D'ailleurs, on va monter Rolf. On va le monter. Artenheimer aussi. Compétence. Connaissance du terrain tactique, il est pas mal. Organisation d'inventaire, c'est une compétence de commandement, on s'en fiche. Oui, c'est le genre de mec à taper dessus, quoi. Ok. Les hommes du clan Rodok. Ok. Artenheimer. Il y a 4 en ingé, quoi. C'est pas mal, c'est un bon ingénieur. Il est hostile à mon égard, comme d'habitude. Direction Pagundo, recruter des volontaires. 9! Est-ce qu'on pourrait pas construire quelque chose? Oh, ça coûte cher, ça coûte très très cher. Une école, ça peut être pas mal, quoiqu'un poste de messager. De toute façon, il faut que je construise 4 bâtiments. On en a déjà fait un. Une tour de guet. C'est bien les tours de guet. Allez hop, on fait une tour de guet. 43 jours. Et ben, ça va être un peu long. Du côté de Sarimiche. Donc, alors, des upgrades. On upgrade un petit peu tout ce beau monde. Alors, assiégé. Assiégé par qui? Je vois personne en faire le siège. Personne en garnison, quoi. Ça doit pourtant pas être compliqué de le récupérer quand il y a personne en garnison. Alors. Qu'est-ce que ça donne ici? Quoique s'il est occupé. On pourrait aller voir ailleurs. Allez, on se réessaye ça. Non! Bon, allez. 13 hommes. Le groupe pervers en morale, je sais, je sais, je sais. Mais on se tire. On se tire par où? Et merde! Ouh que ça c'est con.
se tire tout doucement. Oh, mais bon, bah, on va peut-être arrêter là l'épisode. Ça a été l'épisode Nawak. Il a fallu tout refaire et j'ai failli tout casser en fin d'épisode. C'est n'importe quoi. Enfin bref, bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc., etc. Et moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous!